AB. Eh bien, AB comme Pythagore, ça nous donne AB carré. AB carré, c'est-à-dire la norme de AB au carré égale la somme des carrés des coordonnées. Grand X au carré plus grand Y au carré. Grand X au carré plus grand Y au carré. Donc, j'en déduis AB, la longueur du vecteur AB, c'est un nombre positif, donc ça fait plus racine de grand X au carré plus grand Y au carré. Moi-même, vous voyez, dans mon passé de professeur de maths, j'ai toujours préféré cette étape. Et je dis toujours, le carré d'un vecteur, oui, le carré de la longueur d'un vecteur est égal à la somme des carrés de ses coordonnées. Je répète, le carré de la longueur d'un vecteur, de la norme d'un vecteur, est égal à la somme des carrés de ses coordonnées. Comme ça, ça me rappelle le théorème de Pythagore. Ou bien, bien sûr, si vous avez bonne mémoire, AB égale racine de X2 plus Y2. Ou bien encore, une autre manière d'écrire, AB égale racine, qu'est-ce que c'est que grand X? C'est XB moins XA. Voilà. XB moins XA au carré plus grand Y. C'est YB moins YA. Ça fait YB moins YA, le tout au carré. Voilà. Regardez, deuxième lettre moins la première au carré. Deuxième lettre moins la première. Donc AB égale racine de XB moins XA au carré plus racine de YB moins YA au carré. Donc voilà comment on trouve la longueur d'un vecteur, appelée aussi la norme du vecteur. Encore un petit paragraphe, c'est trouver les coordonnées du milieu d'un segment. Le point A a pour coordonnées, je vous les montre, X de A et Y de A. Le point B a pour coordonnées X de B, voilà, X de B et Y de B. Et on cherche les coordonnées du point M qui est le milieu du segment AB. Les voilà, je vous les montre. Je trace, vous voyez, les perpendiculaires. Voilà X de M, ici. Voilà X du point M et Y du point M. Eh bien, nous avons ici un trapèze. Regardez. Et M étant le milieu de AB, nous avons la base moyenne. Donc, YM, c'est la demi-somme des bases. C'est petite base plus la grande base divisé par 2. Et là, vous voyez que le milieu, le mot milieu en géométrie est traduit par moyenne en calcul. Y de M, c'est la moyenne de Y1, YB. Maintenant, X de M est le milieu de ce segment, donc nous avons encore la moyenne. Ça fait X de A plus X de B divisé par 2. Donc, comment trouver les coordonnées du milieu d'un segment ou d'un vecteur? Rappelez-vous, milieu en géométrie, c'est la moyenne en algèbre. Voilà. Donc, pour le point M, un exemple. A a pour coordonnées 3 et moins 2. B a pour coordonnées 1 et 8. Voilà. Quelles sont les coordonnées de M, milieu de AB? Eh bien, on fait la moyenne des X et la moyenne des Y. Alors, ça fait 3 plus 1, ça fait 4, sur 2, ça fait 2. Et pour Y, moins 2 plus 8, ça fait 6, divisé par 2, ça fait 3. Encore un exemple, F a pour coordonnées moins 5 et 3. Le point A a pour coordonnées 5 et moins 1. Alors, j'appelle M le milieu. Quelles sont les coordonnées de M?
Eh bien, on va faire la demi-somme des x, la demi-somme des y. 5 plus moins 5, ça fait 0. 3 plus moins 1, ça fait 2. Divisé par 2, ça fait 1. Un dernier exercice parce que j'ai encore de la place. Alors, le point R a pour coordonnées moins 1 et 0. Le point S a pour coordonnées 4 et 3. Quelles sont les coordonnées du point T milieu du segment RS? Bien, alors nous avons donc T a pour coordonnées X de T et Y de T. C'est-à-dire ici, alors pour X, on prend la demi-somme des X. 4 plus moins 1, ça fait 3. Divisé par 2, ça fait 3 demi. Après, 0 plus 3, ça fait 3. Divisé par 2, et ça fait 3 demi. Et voilà comment on trouve les coordonnées du milieu d'un segment. C'est fini, le temps d'effacer. Encore un paragraphe. Alors, un dernier paragraphe. Quelle est la condition sur un repère pour que deux vecteurs aient la même direction, donc soient encore collinaires? Alors, j'ai fait le dessin ici, sur une droite, hein, tracé dans ce repère. J'ai pris deux vecteurs V et V' collinaires. Et j'ai fait apparaître les coordonnées. X, Y pour V, X', Y' pour V'. Puis, X, je le fais apparaître sur OX, le voilà, grand X, voilà grand X, voilà X'. Et sur OY, pareil, voilà le grand Y, je l'ai fait apparaître là, et le Y' ici. Puisque toutes ces droites qui nous permettent de trouver les coordonnées sont parallèles entre elles, j'applique le théorème de Thalès. Voilà, plusieurs parallèles découpent sur une séquence des segments proportionnels sur des séquences. Donc, on pourra dire que grand X sur X', alors grand X sur X' égale quoi? Eh bien, égale AB divisé par CD. Donc, grand X sur X' égale AB sur CD. En mesure algébrique, parce que les points peuvent avoir n'importe quelle direction. AB sur CD en mesure algébrique. Et AB sur CD, avec les quatre parallèles ici en rouge, c'est encore égal à Y sur Y'. Égal Y sur Y'. Donc, je retire de là X sur X' égale Y sur Y'. Faisons le produit en croix. Ça nous donne X, Y' égale Y, X'. Déplaçons dans le membre de gauche et j'obtiens finalement la formule X, Y' moins Y, X' égale 0 à retenir par cœur. Maintenant, c'est le professeur seulement qui fait la démonstration. Vous, élèves, vous pouvez appliquer directement cette formule et c'est tout. Elle est acquise une fois pour toutes, jusqu'au baccalauréat, vous l'appliquez. Alors, en résumé, voilà, le vecteur V a pour coordonnées X et Y. Il sera collinéaire, c'est-à-dire parallèle, séparé ou sur la même ligne, collinéaire à V', de coordonnées X', Y', à condition qu'on ait cette formule, c'est-à-dire X, Y' moins Y' égale 0. Et voilà, ainsi s'achève le cours d'aujourd'hui. Donc, V de coordonnées XY sera collinaire à V', coordonnées X', Y', à condition que XY' moins Y' égale 0. Voilà. Donc, normalement, au prochain chapitre, des exercices sur ces bases qu'on a vues aujourd'hui. Et je vous remercie, comme d'habitude, et je vous rappelle que vous avez le manuscrit avec beaucoup d'exercices, ne serait-ce que sur les vecteurs. J'en ai mis 40. Il y a 40 exercices différents sur la leçon des vecteurs. Moi, je vous en ai fait gentiment 4 pour
pour vous montrer la méthode. Maintenant, ceux qui veulent s'accrocher, eh bien, ils ont de quoi travailler 40 exercices sur les vecteurs. Allez, merci et à la prochaine.